Ladies and gentlemen, je suis WhiteShark67 et me revoici depuis très longtemps sur Gastricon Phantom. On m'a prévenu qu'il y avait des nouvelles armes qui étaient sorties et on va aller voir ça tout de suite. Alors c'est la première fois que je reprends le jeu depuis longtemps. Je regarde sur mon assaut, qu'est-ce que je vois? La Biowolf 74 de dégâts, 505 de cadence. What the fuck? 505 de cadence, 505 pour une arme d'assaut, c'est la ridicule. Même en calon court, 550. Ah là là. Oh, c'est quoi ces... Oh là là, c'est quoi ces atrocités? Cross blindé. Zéro de cadence de tir. Non merci, suppresse. Pas tout de suite. Oh alors, à quoi elle ressemble? Donc on va mettre... Allez, on va l'équiper comme j'aurais joué une MK17. Je vais vous faire un petit test là, vite fait, à la bien, avec les nouvelles armes et tout. Chargeur amélioré. Alors déjà, cette merde là, tu me l'enlèves. Hein, on va passer sur un réflexe ouvert. On va passer sur un frein de bouche. Voilà. Voilà. What? C'est sérieux? Elle fait le bruit d'un... C'est quoi? Un P45? T45? Je sais plus. Bon, j'avoue, elle est super précise. Mais c'est une grosse merde. C'est une aberration de la nature, ce truc-là. C'est pas une arme d'assaut. Comment voulez-vous que moi je joue ça, moi? C'est ridicule. C'est ridicule. Elle fait le même bruit que... 45TH. Le OTS-33. What the fuck? Merde. Alors... Ouais, on va voir ça. Non mais, donne-moi mon flingue. Ouais, ça va, le pistolet a pas l'air trop mal, mais par contre... Oh putain, comment il est moche. Mais bon, il a une cadence de bâtard, hein. Ça franchement on peut pas dire. Il a vraiment une cadence de bâtard. Alors, allons voir les autres armes. Il n'y a pas eu de nouveau gilet, de Light Tactical Suit Tier 10 ou de... Alors... AA-12... MG-11... Oh mais c'est pas beau. Oh les gars, il faudrait travailler un peu le design, les potos. 500 de cadence. For fuck's sake. Allez, un petit pipier, allez. On est dans Star Trek, les gars. Ça y est, c'est parti. Les fusils de l'espace, laser et tout. Oh là 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 là. Un lance-patate, le machin. Mais c'est quoi ces armes pour handicapés, sans déconner? C'est quoi... Wouah! Recul, contrôle du recul, tellement difficile. Non, sérieux? Sérieux? Il fout ça à 130 mètres? Oh là là! Oh. Non, sérieux? Non, mais c'est des armes pour débiles, ça, c'est pas... Non, mais même comme ça, quoi, le YOLO. Rambo style. Je vais attendre de retrouver des munitions, là. Ah ouais, pas de soucis. Adrien! Ah non, sérieux, c'est une grosse blague, non, c'est pas possible. Et il vaut quoi, là, le AA-12? AA-12, bienvenue sur Call of Duty, hein, c'est... Allez, c'est parti. Alors, on va mettre un canon, on va mettre une petite poignée dessus, on va faire un kikou YOLO avec un frein de bouche, désignateur laser, on va le foutre en rose, y'a pas de rose? Si, y'a du rose, bien sûr qu'il y a du rose. Non, ça c'est du... Non, y'a pas de rose, vas-y, vous cassez les couilles. Bon, on va le mettre en pot de pute, alors. On va faire un fusil à pompe de pute. What the... Oh my god... Ah oh, c'est du Call of Duty, cherchez pas les gars. Allez, on lui met un chargeur tambour, bah bien sûr, allez. Lance-roquette les potos, prochaine mise à jour. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas sortir des armes comme ça. Vous pouvez pas sortir des armes comme ça. Oh putain. Oh là là. Non sérieux, non c'est pas légal ça, c'est pas légal. Vous me foutez là-dessus sur Tomsk avec mon ultralight et un blackout, c'est bon, c'est terminé, je fais 70 kills. Non sans neck, c'est pas légal de foutre des armes comme ça. Et les Recon il a quoi? Les Recon il a quoi, dites-moi? Alors la W50, ouh il me plaît, il est joli. Il est joli lui. Oh il est très joli lui. 22 cadences de tir. Oh, putain c'est un Nemesis le truc. Ah, il est très joli mais... Wow, c'est quoi? Oh my god.
Pourquoi il y a un accoudoir là en dessous? Et vous avez cru c'était un monte-escalier cette année ou quoi? Ah ouais, non, sérieux, il y a tout pour ce... Oh ouais, tranquille, pépère des dendus. Lui, je vais juste lui répondre. Noob, toi-même. Sale moche. Voilà. À x4, je déteste ces conneries, donc moi je vais mettre un 2,512 puisque c'est mes trucs préférés. Un bipier. Hop. Bah bien sûr que tu rigoles, je sais que tu rigoles, tout le monde rigole. Oh, oui. Oh j'aime bien. Oh j'aime bien. Oh il est... finalement il est pas si... Ah ouais. Il est propre. Oh putain il est propre. Je crois que je vais garder cette configuration là. Ouais j'aime bien. Putain 155 en body shot les gars. Putain mais c'est sérieux, c'est des snipers d'autistes. Non, il... Ouah, le canon, ouais, on va mettre un silencer par dessus. Allez. Et je vais le foutre en bleu parce que c'est moche. Ah. On va le mettre en bleu. Ouah, la lenteur du machin toi. Non c'est pas possible, c'est un jouable en canon. Ouais, il est réactif et tout, mais... Bon, pff, canon court, sérieux, canon court. Et le PM, il est où le... Oh non, c'est pas ça. Ouah, ouah, mais il est énorme. Ouah, putain, ça me plaît, c'est joli. Canon moyen, canon long. Moi, je pense... Canon court. Canon moyen, 750 de cadence. Non sérieux on a plus... Quoi? Ah 800 de cadence, 46 de dégâts. Oh ouh, ça va me plaire ça. Oh 45 balles. Alors réflexe ouvert. Hop, munition spéciale Magnum parce qu'en Recon c'est essentiel. Ah ouais bah oui, vous avez mis ça par contre, les skins moches ça y va hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, moi j'adore. Moi j'adore, ah ouais. Ah je vais kiffer sa mère. Elle vaut quoi avec le canon long, que je sache un petit peu. Ouais, oh putain. Putain, hey, elle a l'air pas mal hein. Eh, vous avez vu, j'ai fait tout le contour du de la tête du bonhomme. Ouais, putain, oh, je vais vous faire une vidéo de test, tiens. Nouveau envie de jouer un petit peu, là. Ça me plaît, mais bizarrement, je pense que je vais peut-être rester entre les deux, là, sur un petit canon moyen. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ah ouais, ouais, ouais. Bon écoutez, finalement ce pack il est pas si mauvais que ça. Vraiment pas si mauvais que ça. Donc lui comme dit, hop, je vais rajouter un. Tu es avec renfort, tu es par critique. Non. Malgré tout, j'aime bien quand même la nouvelle P90 qui me plaît beaucoup. Donc moi je vais rester sur ces deux variantes là. Donc je vais elle plutôt. Ouais, plutôt canon court quand même. Voilà, plutôt canon court. Tout en AC, j'en ai pour moins de 10 000. Pas mal, équitable. Allez. Donc du coup il me reste 125 000. Je vais remettre mon beau chapeau pour vous pour discuter avec vous. Et bah il est où mon beau chapeau? Là. Donc voilà, je suis équipé comme un cosmonaute de l'espace. Je vais le nouveau 45T, qu'est-ce qu'il vaut? On va aller essayer ça. Ouais. Pas encore l'habitude avec ma nouvelle souris. Ouais, ça va. Et niveau équivalent, c'est lequel au niveau des statistiques?
Je vais peut-être quand même garder, le 45 TH. De toute façon, personnellement, moi, je privilégie le pistolet automatique quand je suis au sniper, donc à vous de voir. Ouais, comme dit, j'ai le 45 TABA, qui est toujours pas mal, putain de sa mère. Ah, il est toujours bien. Bah, je vais rester sur celui-là. Voilà. Bon, comme dit, après pour l'assaut, malheureusement, ils vous ont chié un tiers de merde. Alors, je sais pas pour vous personnellement comment vous allez jouer des trucs. Oh, MK17H. Ah bah oui, elle est sortie. Donc voilà, ça c'est l'arme que j'adorais. J'adorais la bêta. Putain, je l'avais même pas vu qu'ils l'ont sorti, ce bande de salauds. Chargeur amélioré, un petit frein de bouche. Et moi, je la jouais comme ça. Alors là, oh oui. Ah non, là les gars, c'est bon, j'ai mon arme. Non, ça c'était mon arme de prédilection, ça, sur Ghost Recon Online. Non, c'est bon, c'est la mienne. J'adopte, les gars. Allez, hop, un petit 12 000, c'est dans la poche. Du coup, ça veut dire que, en fait, j'ai deux tiers encore pour... Ah, là, c'est PWH et tout. Ah, j'ai du SVDH. Ah, ouais, j'ai pas vu, putain. Ah, ça fait longtemps que j'étais pas là, en fait. MG36H, bâtard. 11-9. Je vais la sélectionner et puis je vais la regarder sur la vieille MG36. Qu'est-ce qu'elle était, quoi, ça sachi? Elle est où, salope? Ouais, le 78 de précision. Après, si tu l'équipes comme une vieille MG36, quoi. Alors, moi personnellement, ce chargeur, je le joue que quand je suis en canon moyen et hop. Vous voyez, je la joue comme ça. Sinon, généralement, quand je suis derrière, je prends l'hélico idéal. Parce que là, comme elle envoie sa mère, et du coup, sur le rechargement, faut quand même un peu assurer quand on est devant, pas trop le choix. Hein. Mais bon, comme dit, celle-là, je vais la stuffer en long, comme de l'autre côté, j'ai la SDABR. Vous voyez, eux aussi, ils l'ont équipé avec un petit chargeur. Donc... ouais, bon, écoutez, donc je vais vous montrer comment je vais la stuffer. Hop, frein de bouche, reflex open, motherfucker, chargeur hélicoïdal, motherfucker. Vous voyez le chargeur testiculaire ici, vous avez la verge et là les deux boules. Voilà, c'est comme ça qu'on stuff une long range. Gardez ça à l'esprit, hein, parce que c'est très important de savoir stuffer ses armes correctement. Hein, savoir où est sa paire de couilles et son chargeur, hein, très important. Hop, donc vous voyez que pour très peu cher, en fait, à peu près 40 000, je me suis fait un nouveau stuff pour effectivement les trois classes. Comme dit, c'est important de faire sa sélection d'armes aussi, parce que vous pouvez pas dépenser du fric pour tout et n'importe quoi. Surtout que ça devient compliqué ces jours-ci sur Ghost Recon. Puisque tout coûte cher, en fait, pour un free-to-play. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Donc, ça sera ma découverte des nouveaux tiers 11. Et on se retrouve très, très bientôt pour un test gameplay. Le temps que je m'en remette un peu dans le bain, parce que ça fait des semaines et que j'ai pas mis le cul sur GRP. Et puis, on se retrouve tout de suite derrière voilà, pour un petit gameplay découverte. Je sais pas encore sur quelle classe je vais le faire. Peut-être assaut, peut-être icon, peut-être support. En même temps, voilà, c'est les trois classes qui existent. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu. Ciao, ciao, peace.